Chico Grande, c'est le nom de cette œuvre que l'artiste mexicain Javier Marin donne à la France. Cette sculpture en bronze mesure 2,5 mètres de long. Elle a pris place dans le jardin du château de la Celle-Saint-Cloud, propriété du Quai d'Orsay et aussi lieu d'exposition. C'est une grande fierté et je remercie d'ailleurs le ministre d'avoir mis en valeur la dimension culturelle du domaine. L'artiste mexicain a réalisé toute une série de ces têtes énormes qui sont exposées ailleurs dans le monde. Des visages inspirés d'un peuple précolombien où l'on retrouve aussi certains traits occidentaux. Un concentré d'histoire mexicaine en somme. La nation mexicaine est issue de ce syncrétisme entre les cultures précolombiennes et les cultures européennes. Et ces sculptures symbolisent dans une large mesure ce métissage. Les relations diplomatiques entre la France et le Mexique battent leur plein. Une exposition consacrée à l'art mexicain s'est tenue récemment au Grand Palais et la France sera bientôt l'invitée d'honneur d'un festival d'art vivant au Mexique. Je pense que c'est une manière de rapprocher les peuples et nous sommes dans une période tellement incertaine et dangereuse qu'il est important de rapprocher les peuples et tout ce qui peut y contribuer, comme cet événement d'aujourd'hui, va dans la bonne direction. Pour découvrir l'œuvre, le public devra attendre le 18 avril prochain ou les Journées européennes du patrimoine.